chapitre 1er, verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Commencez par 71. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Doucement. 73. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Pour la mission arrive. Ça a été déclaré Abraham. Maintenant, le temps d'accomplissement est venu. Dieu nous lègue un sauveur par laquelle, à travers lui, qu'on entrera, qu'on va accéder à notre délivrance, à notre salut, par laquelle nous servirons, vous servirez en paix. Alléluia. Par laquelle que vous servirez, nous servirons. C'est-à-dire, cette grâce, cette déclaration que l'Éternel avait déclarée, j'irai à Abraham, cela est arrivé à le Nouveau Testament par laquelle que nous avons été actés, entrés à l'accès pour être sauvés. Non seulement pour être sauvés, pour aussi servir. Non seulement pour servir, pour être dans la paix. Alléluia. 80. 80. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Alléluia. Or, l'enfant se croissait et se fortifiait. Et il demeura en désert jusqu'à ce que il fut présenté devant Israël. Alléluia. Peuple de Dieu, celui qui ne comprend pas, celui qui ne sait pas, qui n'identifie pas certaines choses, ne pouvait pas profiter de la percée que Dieu a mis devant nous. C'est-à-dire, pour tout enfant, il y a un temps de croissance, il y a un temps d'élévation, il y a un temps de soutien, il y a un temps de fortification. La Bible me dit ici, là-haut, le petit enfant, celui qui était petit, il grandissait, non pas n'importe où, mais il était en plein désert pour attendre les moments venus dont il sera présenté vers Israël. Alléluia. C'est-à-dire, comprenez. Alléluia. Amen. Comprenez. Si nous pouvons avancer, si nous voulons faire la volonté de notre Dieu, si nous restons dans certains coins pour se préparer, pourquoi? Parce que tout simplement, on sait, on est en plein désert, on est dans des moments qui n'est pas stable, on est dans certaines réalités que nous traversons. Nous sommes dans le désert, non pas pour rester dans le désert, nous sommes en désert parce qu'à un temps, nous allons se présenter devant les enfants de Dieu, devant les peuples de Dieu. Ils verront que la grâce, on s'est fortifié avec Dieu. Je vais le dire à quelqu'un aujourd'hui, le désert ne peut pas seulement être négatif. Un désert peut être aussi positif pour toi. Cela veut dire quoi? Si tu traverses un moment de désert, si tu traverses un moment compliqué, fortifie-toi. Fortifie-toi. C'est-à-dire, quand tu te prépares dans des moments difficiles, lorsque tu seras présenté devant Israël, lorsque tu seras présenté devant France, ils verront en toi qui est une personne fortifiée. Il n'était pas en désert pour rester seulement bébé. La Bible dit, il croissait. Oh, petit enfant se croissait. Il se fortifiait en esprit. Et il demeurait en désert. Je me l'ai dit, peuple de Dieu, celui qui se prépare pour de grandes choses. Une église,
Un peuple qui se présente pour des grandes choses doit chaque jour et à tout moment se fortifier. Doit chaque jour, à tout le temps se fortifier. Cela veut dire quoi? Parce que si tu n'es pas bien préparé, c'est-à-dire la destruction de ta mission à venir sera au moment où tu es en désert. Ta destruction ne sera pas le jour où tu seras présenté devant Israël. Ta destruction, c'est au moment où tu es en désert. Tu ne te fortifies pas. Tu ne cherches pas la face de Dieu. Tu ne pries pas. Tu ne cherches pas Dieu. Le jour où tu seras exposé, tu ne vas pas tenir deux jours. Amen. Même pas 30 minutes. Alléluia. Amen. Je parle de ces choses parce qu'il y a un grand travail que Dieu a mis devant toi. Pour que les peuples qui viendront en soif, qui viendront enfamés, qui à travers ta personne, à travers cette assemblée, à travers vous la femme, qu'ils puissent reconnaître la multiplication. Laisse-moi te révéler quelque chose. Des enfants mystères ou des enfants rois, ce sont des enfants qui viennent avec beaucoup de difficultés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que tu dois porter dans ton ventre, l'ennemi sait, il te combat par rapport à ça. Il y a aussi certaines vies, certaines personnes, ils ne peuvent même pas aller en désert pour chercher la face de Dieu se fortifier. Il va vivre comme il veut, parce que lui ne sera en aucun cas présenté devant Israël. Je te dis, peuple de Dieu, de comprendre ces choses. Parce que Dieu te prépare pour que tu sois présenté devant Saint-Brieuc, devant la France. Pour que Dieu fasse quelque chose de nouveau. Mais c'est-à-dire, si tu sais que la multiplication repose en toi, tu dois savoir une chose. Tu dois comprendre une chose. Je suis une femme. Je suis appelée à produire. Et lorsque nous parlons de Jean-Baptiste, nous allons voir que Jean-Baptiste aussi, Dieu nous parle de la lignée de l'accomplissement des paroles qui a été déclarée à Abraham. Sa naissance n'était pas facile. Il a vu des jours dans les âges, ses parents étaient déjà très avancés. Un jour, on a parlé ici que quand son père était entré, l'ange lui a rencontré, il n'a même pas cru. Je te dis, femme, sache en vous, en toi, repose la solution pour changer beaucoup de choses dans votre vie. Croissez et fortifiez-vous en esprit. Voici notre thème. Croissez et fortifiez-vous en esprit. Alléluia. Croissez et fortifiez-vous en esprit. Pourquoi je parle de croître? Première chose, si vous êtes une femme, vous donnez naissance à Jean-Félix. Premier mois, il ne parlait pas, et peut-être seulement. 6 mois plus tard, il ne parlait pas toujours, il tait toujours. 2 ans, il ne marche pas, il tait toujours. Ça va vous aider? Alléluia. C'est-à-dire, celui qui est appelé pour de grandes choses, celui qui est appelé pour accomplir de grandes choses, cela veut dire, celui-là doit se fortifier. Non seulement fortifier, doit croître. Cela veut dire quoi? Celui qui est appelé pour de grandes choses, des dimensions très fortes, doit se préparer dans certaines choses. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Écoutez, Dieu a révélé à Joseph. Écoutez Joseph, voici ta révélation. Voici le songe dont le soleil, toi tu es le soleil, la lune et les étoiles viennent se courber.
Mais cet homme est appelé pour l'élévation. Cet homme est appelé pour vivre l'accomplissement de la parole de Dieu. Cela a suscité la jalousie à d'autres personnes. Je te parle de ces choses. Si tu comprends l'alliance, la bénédiction que Dieu a mis devant toi, c'est-à-dire soyez prête à tenir face à tout combat. C'est pour cela que c'est le moment que tu es en désert. Croître. C'est un moment de la croissance. C'est-à-dire, lorsque le combat viendra pour chercher à te toucher, personne ne pourra te toucher, car tu sauras, j'ai bien mangé, car la route est longue. Peuple de Dieu, celui qui sait que j'aurai un combat après demain, il doit déjà se préparer à commencer à faire certaines physiques, à dire que s'il vient, s'il m'attaque, s'il vient de cette façon, je sais comment je vais me poser contre lui, je sais comment je vais me positionner contre lui. La Bible me parle de David. David était prêt. Lorsque Goliath s'est présenté devant lui, il dit à Goliath, moi j'ai déjà combattu avec un lion. Peuple Dieu, j'ai déjà combattu avec un lion. C'est-à-dire, quand on dit croissait, la Bible dit, il était jeune dans son corps, mais il n'était pas jeune intérieurement, parce que l'Esprit de Dieu dominait déjà en lui. C'est pour cela qu'on m'a dit, parle-les, dis-leur, il doit comprendre, où est-ce qu'ils sont embarqués, qu'est-ce que je vais faire avec eux. C'est-à-dire, quand on nous a pris à ce qui concerne des fourmis, ce n'est pas la taille, ce n'est ni le nombre de fourmis qui peut intimider une tortue morte. Ils sont capables, ensemble, en disant, pour la vie, pour l'église de Dieu, on va transporter ça, on va amener ça, peu importe la taille, peu importe la manière ou la dimension des personnes, nous, on peut l'amener. Comprenez ces choses-là. Et la Bible dit, il a commencé maintenant sa préparation. Sa préparation, ta préparation commence le fait qu'on commence à t'insulter. Toi aussi, tu vas là-bas. La Bible dit, un jour, son père lui a façonné un vêtement qui était de plusieurs couleurs. Vous savez, quand nous parlons de couleurs aujourd'hui, revenez à son époque. C'est plus que tous les Massantomo et les Igobos d'aujourd'hui. La Bible dit, son père l'a fait, a fait ça pour lui. Cela a suscité la jalousie. Écoutez, il a une belle ville, une belle, déjà vêtement confectionné par son père. En plus, avec ses visions, il commençait déjà à chercher son problème. On va lui jeter. Peuple de Dieu, je parle de ces choses. Si tu es préparé, peu importe l'endroit, peu importe la manière dont l'ennemi peut s'élever contre cette assemblée, toi tu diras, j'ai connu la maladie, j'ai connu les problèmes. Ce n'est pas toi qui vas me perdre. J'ai resté en désert. J'ai resté dans des conditions difficiles. Dieu était avec moi. J'ai terrassé la pauvreté. J'ai terrassé les papiers. J'ai terrassé la sorcellerie. C'est-à-dire, tu ne peux pas. Je te parle de ces choses. Pour que je sois devant vous, il fallait vivre plusieurs combats. Un jour, je te dirai comment Dieu m'a amené jusqu'ici. Écoutez, le plus intéressant dans ta vie, c'est déjà recevoir la parole qui t'amène dans l'élévation. La parole d'Abraham, ce n'était pas un enfant. Même l'enfant n'enfantait pas. Mais la parole était dans son ventre. Dans ta vie aussi, sache que la parole doit rester dans ton ventre. Écoutez, je parle de ministère. La croissance et te fortifier en esprit t'aidera à vaincre beaucoup de choses qui viendront devant toi. Ça va t'aider. Parce qu'il y a des choses qui ne me fait pas trembler aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'ai vu ça aujourd'hui, parce que j'ai vécu ça déjà il y a longtemps. Quand je vois certaines choses, je dis, ah ça là, j'ai vu ça il y a longtemps. Je te dis aussi, peuple de Dieu, si tu sauras comprendre que la mission Dieu a mis devant vous, peu importe le vent qui viendra après, tu seras plus solide. Ce qui compte à l'arbre, ce n'est pas le feuillage que vous voyez en haut.
c'est la racine qui descend vers l'Éternel. Vous avez appris ça ici. Alléluia. Et la Bible dit, vous avez appris ça. Celui qui espère à l'Éternel, il est comme un arbre qui est planté près d'eau. Cela est mentionné dans Psaume chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au 2e verset. C'est lui qui espère à l'Éternel. Vous espérez en Dieu pour avancer, pour conquérir, pour recevoir, faire tomber Jéricho. Il ne faut pas espérer à un homme, mais il faut réellement espérer à Dieu lui-même. Vous savez, quand Dieu me permet de vous parler ce genre de choses, il y a des fois dans certaines choses, vous pouvez avoir des doutes. Mais celui qui a Dieu, celui qui a l'Éternel, un Goliath ne le fait pas peur. Moukena mungu. Nazana nzambe. Moukena nzambe. Alléluia. Un Goliath ne le fera pas trembler. Peu importe le nombre de Goliath. Vous savez, il y a des choses. Ça me donne la tranquillité. Il y a des fois quand je reste ici seul, quand il me parle, ça me dit, il est encore là. La parole des autres ne m'intéresse pas. C'est sa parole qui me dit, qui me donne encore la joie. Pour comprendre l'amour d'une femme avec un homme, comprenez combien de sacrifices que cette femme est prête de faire. Reviens, vous femme, revenez quand tu fouillais l'école pour celui-là. Quelqu'un m'attend? On va te frapper malgré toutes les peines, toutes les punitions que tu peux subir. Tu dis, j'irai pas à l'école. Peuple Dieu, si tu aimes Dieu de cette manière-là, je te dis aujourd'hui, je te déclare aujourd'hui, rien ne pourra te faire trembler. Ni la pauvreté. C'est pour cela, il y a des gens qui ont aimé Dieu. Il y a des gens qui ont marché avec Dieu, qui étaient ensemble avec Dieu. Paul disait, je vois, j'ai regardé, j'ai observé. Mais rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Amen. Que je sois bien né, que je manque à manger, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, le plus intéressant pour que tu croisses en esprit, sache d'abord de quel degré d'amour que tu as envers l'Éternel. Alléluia. La Bible me dit une chose. Il y avait un homme qui devait redevenir roi. Les prophètes sont venus. Les pères avis. Il dit, ce monsieur est venu. Pour, il ne vient pas n'importe comment. C'est un prophète de Dieu. Il vient accomplir quelque chose. Il a dit, je suis venu, et voici mes enfants. Le père a présenté ses enfants. Je te dis, quand tu aimes Dieu, ce n'est pas l'apparence qui va prouver que Dieu est réellement avec toi. Quand je dis croître, ce qui compte, c'est la connexion spirituelle qui fait que tu sois connecté avec Dieu. Et le monsieur a regardé parmi tous les enfants. Il a dit, ils sont costauds, oui. Ils sont intelligents, oui. Mais, le roi n'est pas là. Écoutez, les autres peuvent t'oublier dans leurs souvenirs. Mais Dieu ne va jamais t'oublier. Même si tu es en plein désert. Et je ne savais pas tu étais ici, toi aussi. Et toi aussi tu pries. Vous aussi vous êtes une église. Des autres peuvent t'oublier. Peu importe leur manière, leur façon de déclarer, de dire. Et vous croyez que vous aussi vous êtes une église. Écoutez, le plus important, ce n'est pas les hommes. S'ils oublient que l'Éternel
N'oublie jamais ton nom. N'oublie jamais ta personne. N'oublie jamais ta prière. C'est de cette manière-là qu'il va entrer dans la gloire. Peuple de Dieu, j'aimerais te dire, lorsqu'il lui l'a présenté, il dit, il s'est souvenu, j'ai encore un autre fils. Je te parle de ces choses. Dieu m'a dit de te dire, sache que si le monde, si cette ville, si la France ne te considère pas, la considération de la France, ce n'est pas ce qui compte. Si Saint-Brieuc ne te considère pas, ce n'est pas ce qui compte. Mais ce qui compte, lui, il te considère. Écoutez même ce que les hommes disent. Même s'il n'est pas là, qu'est-ce que ça va changer? Qu'il soit là, pas là, ça ne va pas changer. Je te dis, en toi, des choses vont changer. Parce que la présence de Dieu est sur toi. Vous savez, l'œil de l'homme ne voit pas comme l'Éternel. L'œil de l'homme juge par l'apparence, juge par la personnalité, juge par des formes. Juste par le ventre. Oh, ce pasteur-là est venu. Il a une grosse vente. Il a une grosse 4x4. La sœur-là est venue. Il marche avec Rolls-Royce. On le prend en considération. Je te dis, ce n'est pas ce qui compte avec l'Éternel. Toi, croître seulement. Demeurer dans l'esprit seulement. La considération ne viendra pas d'eux, mais de l'Éternel lui-même.